Allez, let's go. On part sur un petit quoi? Petite tête, c'est un peu loin. Fatal, non. Salty, bof, bof. Ah, il y a quand même beaucoup de monde qui ont sauté. Hein. Bon, on va partir, je pense, sur un retail. Hein. Je pense que je suis un tout petit peu plus, on va dire, meilleur sur la mid-cat, mais le jeu est tellement plus beau en... Oh là, il m'a fait peur. J'ai cru qu'il était en bas. Oh. Au voleur. Au voleur, au voleur! Lui, faut qu'il se calme. Hein. Mais pour le coup des réseaux, ouais, c'est... On va dire que c'est un... Pour mon cas, c'est un ressenti quoi. C'est-à-dire, j'ai l'impression d'être pas plus fluide, mais que ça répond mieux quoi. C'est-à-dire, quand tu fais une edit, j'ai vraiment l'impression que ça répond vraiment bien sur une raison, on va dire, haute que la 1009 quoi. Après, ça se trouve, c'est juste dans la tête, hein. J'aime beaucoup les hits comme ça de mon escalier. Donc c'est... Par contre, j'ai pas d'aimoscope encore, c'est... Ça, c'est dur. Oh! Oh là là. Oh là là. Heureusement qu'on a un semblant d'aim. J'ai que dalle en bulle. Je vous dis, ça surprend trop. Cette edit là, elle est incroyable. Feras-tu une vidéo avec les nouveaux binds? Bah, il y a des vidéos qui vont sortir en mode j'ai changé mes binds, etc. Ouais, mais je pense pas que je vais faire, on va dire, une vidéo avec, donc avec les nouveaux binds, quoi. En mode. Présente mes binds, enfin je sais pas, peut-être je sais pas. Peut-être que si, je sais pas. Le jeu auquel t'as pu jouer à part Fortnite, Counter. CS. Depuis CSS en fait, j'ai joué au commencement de CSS et après j'ai enchaîné sur CSGO et etc. En gros j'ai joué, je crois, à peu près 10 ans, 10 ans à CS. Après c'est le seul jeu où tu pouvais faire vraiment de la compète et que le jeu n'allait pas mourir quoi, tu vois. Que là, Fortnite, tu joues, mais... T'as pas vraiment de trucs pour vraiment t'entraîner, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu joues en mode, tu joues, voilà. Et si t'es streamer, c'est tout bénef. Mais y a pas vraiment de mode compétitif, quoi. Enfin, de vrai mode où tu peux vraiment traîner compétitivement parlant, quoi. T'as par contre tellement dur de sauter avec. Et c'est pas un peu ça que je reproche parce que bah au final on va dire on évolue avec le temps donc voilà au final on va dire que je pense pas qu'ils peuvent rester sur le format de CS vu que c'est pas le même jeu etc. Mais c'est vrai que j'ai tellement envie de retrouver pas de retrouver un jeu en mode à la CS mais un peu quand même j'ai envie de retrouver un jeu en mode où tu peux vraiment traîner quoi, ou par exemple tu vas avoir des scrims le soir où tu vas vraiment t'entraîner avec ton équipe. Là c'est un peu c'est un peu en mode voilà, il n'y a pas vraiment de traîne quoi. Après c'est peut-être le Battle Royale qui veut ça. À part Fortnite et un tout petit peu à Shazadin avec des potes pour y jouer, j'ai jamais vraiment fait de battle. Oh là.
de Battle Royale. J'ai jamais vraiment fait de Battle Royale, donc... Après, peut-être que c'est Battle Royale qui veut ça, et peut-être que je me plante sur toute la ligne au final. Mais j'ai vraiment envie de... Enfin, je sais pas. En fait, ça me manque un peu cette époque où vraiment tu jouais et je voulais vraiment... Vraiment, t'étais là pour vraiment t'entraîner avec ton équipe. T'étais... Enfin, tu te connectais le soir, c'était 21h minuit. 21h minuit, tu te passais en mode... tu te traînes, quoi, voilà, c'est... Tu joues pour progresser. Ou le jeu, quel est le jeu qui t'a le plus déçu? On va dire le plus déçu, ça va être... C'est un peu bizarre, mais on va... Putain, mais laisse-moi parler, toi! On va dire le jeu qui m'a le plus déçu, ça va être CS, parce que j'ai tellement investi de temps et j'ai jamais vraiment réussi à faire du résultat. J'ai quand même fait quelques petites perfs, je me suis qualifié en Sevo Main, etc. Donc pour ceux qui suivent un peu la scène CS, les Sevo, etc., donc les compètes, c'est plutôt bien, mais c'est pas le niveau pro, c'est pas, enfin voilà, ça va dire, c'est le commencement, on va dire, vraiment le commencement du sub-top, quoi, tu vois. Et c'est un peu ça que je voudrais bien retrouver en fait sur les jeux. C'est cet aspect compétition, cet aspect en mode tu traînes, etc. Enfin voilà. Et Fortnite, clairement aujourd'hui, il peut pas apporter ça parce que justement les développeurs ne veulent pas faire ça. Mais ça après, c'est comme je dis, c'est un... Je pense c'est un point de vue, je pense pas que le fait de faire de la vraie compète comme sur CS, ça fonctionnerait sur Fortnite. Mais comment ? Mais après, voilà, après aussi, c'est peut-être aussi le format Battle Royale. J'ai jamais vraiment traîné le Battle Royale au niveau en team. Et peut-être que tout simplement, bah, le Battle Royale, tu peux pas faire ça, quoi. C'est juste pas possible. Mais voilà. Ce que je voudrais bien retrouver, c'est un jeu un peu à la CS, CS, League of Legends, quoi. Même League of Legends, je trouve ça trop bien. Quand je vois les autres train, donc les autres de Solary, quand je les vois train, mais ça donne tellement envie. J'ai tellement envie d'avoir le même truc, quoi. C'est voilà, c'est trop bien. Ah, j'ai plus de feu de camp. Ça, c'est con, ça. Ok, nice. Nice, nice, nice. Et c'est un GG. Top 1, 12 kills. Bah, c'était propre, avec la petite edit à la fin. Propre.